Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Mister L'Expérience. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un produit qui est très intéressant. C'est la marque Aquapop, donc, qui fait des petites pastilles. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, écrit comme ceci, Aquapop. Donc ces pastilles, je les ai découvertes sur un site grâce à Outdoor France. Donc je vous mettrai les liens. Et du coup, pour avoir un peu plus d'informations sur ce produit, j'ai contacté directement les personnes qui fabriquent ce produit. D'ailleurs des personnes très sympathiques qui ont répondu à toutes mes questions. Donc voilà, je vous présente ce produit. Alors qu'est-ce que ce produit? Eh bien c'est tout simplement une lingette. Alors vous voyez, ça ressemble à un comprimé. Alors à ne jamais avaler, hein, bien sûr. Donc je vais vous le présenter, comme ceci, vous voyez. Donc soit c'est vendu de façon individuelle dans des sachets individuels, soit c'est vendu par 12. Bon, il existe d'autres gammes. L'inconvénient, par exemple, par 12, c'est que une fois le sachet ouvert, bon, il se referme, hein, bien sûr, il y a un zip, donc c'est bien fait. Mais je préfère les sachets individuels parce que du coup, chaque pastille est protégée. Et du coup, on peut en mettre une ou deux dans le sac et ça suffit. Bon, après, suivant l'utilité, vous en avez encore une fois. Et suivant ce pourquoi vous voulez vous en servir. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer comment elle se déploie. Alors c'est très simple. Il faut entre 1 et 2 centilitres d'eau pour déployer la lingette. Alors, pour vous le prouver, j'ai trouvé tout simplement une seringue. Donc vous voyez, là c'est 5 ml. Donc je vais faire 2 fois 5 ml et vous allez voir comment elle se déploie. Vous voyez, elle gonfle tout simplement. Limite 5 ml suffirait, mais on voit dessous, c'est encore un peu dur. Donc je vais doubler la dose. Donc encore une fois, pour vous montrer, je suis à 5 ml. On ne voit pas très bien le 5. Et vous voyez, la lingette a vraiment tout bu. Donc 5 ml. Regardez, je tire un peu dessus. Et là, nous avons voilà, la lingette. Donc vous voyez, c'est quand même une grande lingette. Donc pour déployer cette lingette, il faut savoir que tout type d'eau convient. Tout produit liquide en fait convient. À savoir que sur cette lingette là, tout ce qui sera utilisé pour déployer la lingette sera sur votre peau si vous en servez pour la peau. Pour tout ce qui est eau, n'utilisez pas, parce qu'il y en a qui sûrement qui vont me poser la question, j'en suis sûr. Pour tout ce qui est urine, pour tout ce qui est eau croupie, je vous déconseille de le faire, puisque la lingette vous allez l'utiliser. Donc si vous voulez vous débarbouiller à l'eau croupie, c'est un peu votre souci, mais voilà, je vous le déconseille fortement. Si vous voulez le faire, à ce moment-là, je vous invite à décontaminer l'eau déjà avec des pastilles purifiantes, tout simplement. Et à ce moment-là, vous pourrez éventuellement le faire. Il y a des personnes aussi qui le conseillent sur différents forums d'utiliser, il y en a qui le font avec la lotion anti-moustique, il y en a qui le font avec du parfum ou tout simplement les liquides aussi pour nettoyer les fesses des bébés, hein, tout simplement pour par exemple je pense notamment au bushcraft, puisque cette serviette sera vraiment utile dans ce cadre là, hein, pour tous ceux qui ont des besoins naturels, tout le monde je pense. Une lingette c'est toujours plus pratique et surtout plus sympa que des feuilles. Après c'est à vous de voir, encore une fois. Pour revenir au déploiement, une personne m'a tout simplement dit par mail que elle utilisait l'Aquapop. Pour la déployer, elle utilisait la rosée du matin. Donc pourquoi pas, moi je trouve que c'est une très bonne idée. En plus, comme il me disait, c'est beaucoup plus frais. La rosée du matin est beaucoup plus fraîche qu'une gorgée d'eau simple. Donc, comme je le disais, c'est un produit très intéressant pour moi, à mes yeux. Hein, c'est bien et surtout c'est pas trop cher. Vous voyez là, les 12 sont à 2 euros tout simplement. Donc c'est un produit intéressant, je pense qu'il gagne à être connu. Donc surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, j'essaierai d'y répondre. En tout cas, très bon produit. Il faut savoir aussi que c'est une lingette qui est biodégradable. Donc c'est un bon point aussi. C'est pas quelque chose qu'on va utiliser et du coup qu'on aura du mal à se débarrasser. Voilà, si vous voulez lire la notice, je vous laisse quelques secondes. Voilà, tout ça pour dire encore une fois, pour moi, encore une fois, ça reste mon avis, c'est un très bon produit. Alors n'hésitez pas et surtout je vous invite à poser des questions et à partager votre
Je vous dis merci à toutes et à tous et à bientôt sur la chaîne de Mister Experience.